Good morning, allez, Idan, je suis aujourd'hui, je suis maître en sortie, je vais me faire un jardin de rue de Pétrole de Mazal, Fritna, Coach, Nombre Ben Shalom et Shalia Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous allons s'arrêter de Bachrot. Perikvav Mishnah Gemel, Al Davar chez En Gidolomina Ares, Omer chez Hakol, Al Achometz, Vala Novlot, Vala Govai, Omer chez Hakol, Al Echalav, Vala Gevina, Vala Beitzim, Omer chez Hakol, Rabbi Yehuda Omer, Kol Shehu Min Kelala, Ein Mevarchin Alav. On continue à découvrir les différentes brachot à prononcer. On avait pour la Mishnah Aleph et Bet, on avait parlé des fruits de la terre et des fruits de l'arbre. À présent, on a Aldavar She'en Gidolo Minares, sur les choses qui ne poussent pas directement de la terre, ni les fruits de l'arbre, ni les fruits de la terre, en l'occurrence, tous les exemples qu'on va voir, tout le règne animal en général, et même plus. Aldavar She'en Gidolo Minares, sur les choses qui ne poussent pas de la terre, Omer Shehakol, il faudra prononcer la bracha de Shehakol, la bracha générale de dire Shehakol Niya Bidvaro, que tout a été créé par sa parole. Et on commence à les détailler avec Ala Chometz, Vala Novlot, Vala Govay. Pas que les détails, que les exemples de ça, parce que si ça va aller plus loin, on va juste expliquer des choses qui ne sont pas les fruits de la terre, que la terre, elle n'a pas, elle n'est pas, qu'on ne prévoit pas que la terre produit ces fruits-là. Même si des fois ça sort de la terre. En l'occurrence, on a la Chometz sur le vinaigre. Le vinaigre, c'est un vin détérioré. Tout ce qui se détériore, qui perd sa ma'ala, qui perd son prestige d'être un fruit particulier, il a perdu, il a tourné au vinaigre, en l'occurrence. Eh bien, dans ce cas-là, il a perdu son prestige. Tac, il tombe, il devient Shehakol. C'est quelque chose de très général. C'est plus un vrai fruit de la terre. Même si ça provient parfois de la terre, mais c'est pas un vrai... La terre, on la travaille pas pour produire ça. Ok? Ça, c'est la Chometz. C'est bien la Novlot. Si c'est quoi les Novlot? Les Novlot, on parle de fruits qui tombent avant leur moment. Et on sait les prendre et les recycler. Par exemple, ça peut être ce que vous voulez. Des petits raisins qui tombent avant leur moment, ils sont très acidulés. Parce qu'on va les utiliser pour faire une sorte de vinaigre. On va en récupérer des petites pommes qui sont tombées avant leur moment. Elles sont très acides aussi. On va les prendre, mais on va en faire quelque chose d'autre. Tout ce que tu feras avec tout ça, ce sera chez Hakol. Et même aussi vers la Govay. La Govay, c'est des sortes de sauterelles. Vous savez que les sauterelles, c'est kasher sur la Torah. Il faut juste savoir les distinguer. Pas toutes sont kasher, on ne sait en général pas les distinguer. Sauf quelques communautés, comme les gens du Yémen, ils ont encore cette massorette. Quoi oui, quoi non. En général, les gens ne mangent pas de sauterelles. Franchement, Baruch Hashem. On en a assez avec les cafards, si on vous avait même avoir des sauterelles dans son assiette, franchement. Donc ça c'est à la govaille. Ça c'est pour les sauterelles. Dans ce cas-là, Omer Shehakol, il dira la bracha générale de Shehakol. Une bracha générale sans préciser aucun précis, parce qu'il n'y a aucun précis dans tout ça. De même aussi, Al Echalav, Vala Gevina, Vala Beitim. Cette fois-ci, c'est le vrai règne animal à 100%. Echalav, c'est le lait. Gvina, le fromage. Bah, la Beitzim sur les œufs, Omer Shehakol, il fait le bracha général, qui a créé les fruits, qui a tout créé par sa parole. Et on a Rabbi Yehuda qui vient nous dire une phrase qu'il va falloir expliquer un peu mieux. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda me dit attention, Kol Shumin Klala, tout ce qui est une espèce de malédiction, En Mevarchin Alav, on ne fait aucune bracha dessus. C'est quoi Min Klala? D'abord, on a Barthénois qui nous dit Novlot, Egovai, Alede Klala, En Baim. Il te dit, les fruits qui tombent plutôt de leur arbre, c'est pas une bracha, c'est pas un fruit, c'est quelque chose qui est tombé à un accident de la nature. Idem aussi pour les sauterelles. Peut-être que c'est très bon pour ceux qui mangent des sauterelles, mais vous imaginez, s'il y a des sauterelles, c'est qu'en ce moment, il n'y a plus de fruits et de légumes. Ils ont tout rasé, et on a au moins à manger des sauterelles. Tout ce qui vient avec, par punition, par malédiction, on ne fait pas une bracha, on ne dit pas, waouh, merci, imaginez quelqu'un qui m'a donné une claque, je dis, ah merci pour ta claque, même si sa claque, sans mec mal, elle m'a remis en place les idées, en tout cas, on ne va pas faire des grands chevachim à Hachem sur le fait qu'il nous a envoyé des punitions, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Il y en a qui expliquent aussi que ça se rapporte, oui, regardez, et là, Chometz Novlot, alors il y en a qui nous disent, alors, ça va loin, maintenant il nous dit que ça se rapporte sur le Novlot et Govaï, Novlot et Govaï, c'est les fruits qui sont tombés plus tôt, et Govaï les sauterelles. Il y a un autre avis qui nous dit ça rapporte dans le Tosfot Yom Tov, il nous dit non, ça se rapporte sur le Chometz et Novlot.
sur chomet et novlot, c'est-à-dire des fruits qui ont été détériorés. Le chomet, c'est le vin qui a perdu et tourne au vinaigre. Et novlot, c'est des fruits qui sont tombés plus tôt. C'est des choses qui devaient être des fruits qui ont eu des accidents de nature. Mais sur les sauterelles, on fera quand même une racha sur Rabbi Yehuda. Et un autre avis qui nous dit non, ça sera pour surtout parce que tout est minglal. Donc en fait, on a trois avis. Regardez, on a sur chomet, novlot et govai. Il y en a qui te disent que c'est chomet et novlot. Il y en a qui te disent que c'est novlot et govai. Il y en a qui te disent que c'est les trois. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.